Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Recarverne sur nos TV. On est très content de vous retrouver ce soir avec un beau plateau, encore une fois. Mon fidèle Jean-Luc est avec moi. Bien content d'être avec vous pour la cinquième de la saison. Et en fait, c'est la 58e de série de Recarverne. Ah, les comptes sont tenus, ça va bien. Salut Valérie. Bonjour à tous. Gilou, le fidèle maintenant, est toujours à nos côtés. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir de vous retrouver. Donc, je ne sais pas si on aura Alex en Teams ou pas, s'il s'est connecté ou pas, mais il est à distance. On fait un coucou à la loutre aussi. Et puis, donc, on va remercier Martin Skelzo de venir avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Pour débriefer l'actualité Coupe du Monde, qui prend tout son sens avec l'accent argentin. Tout à fait. Et les Pumas. Donc, on va malheureusement commencer par notre équipe de France quand même, par le débrief France-Afrique du Sud. Et oui, parce qu'avant de mettre à l'honneur notre invité, Dieu sait s'il a croisé le fer aussi avec l'équipe de France lors de matchs d'anthologie et pendant la Coupe du Monde notamment. Je suppose que c'est parmi les bons souvenirs. Il y a des bons et des mauvais souvenirs. Il y a les deux. Il y a les deux, hein. Donc notre équipe de France qui malheureusement, au plus mauvais moment, s'est pris les pieds dans le tapis. Pas contre toute attente, parce qu'il fallait respecter ces Sud-Africains champions du monde en titre. Mais c'est vrai que malgré tout, on ne s'était pas préparé, je crois, Gilou, à cette défaite, à part. L'histoire paraissait tellement belle. Elle était écrite un petit peu. Depuis 3 ans, les médias nous ressassaient cette finale. Donc on s'était pris à y croire. Et puis légitimement, on pouvait y croire, parce qu'on avait effectivement les arguments sportifs pour aller chercher une finale de Coupe du Monde, tout au moins. Et puis on est tombé sur une grande équipe des box qui ont su jouer intelligemment, qui ont su profiter de leur temps fort. Et nous, pas forcément, les joueurs n'ont pas forcément tous été au rendez-vous au même moment. Et après, l'effet de jeu, effectivement, les problèmes d'une cour arbitrale. Les valeurs du rugby prônent le respect de l'arbitre et l'auto-analyse. Donc il faut se servir de ce match pour analyser aussi nos faiblesses et puis repartir de plus belle pour aller chercher un titre. Mais effectivement, tu l'as dit, l'air Galtier n'aura pas fait mieux finalement que l'air Saint-André ou l'air Brunel. Ouais. Carte finaliste, c'est triste. C'est clair que si on se réfère au bilan comptable, effectivement, ça n'aura pas fait mieux que les prédécesseurs, voire moins bien pour certains d'ailleurs. Jean-Luc, c'est vrai que c'est un peu la grise mine quoi, derrière tout ça. C'est la grise mine, mais je crois que maintenant, le match est derrière nous. J'ai écouté le président de la Fédé en venant ici sur Radio France. Il faut regarder devant, il faut faire une analyse de la situation. Moi, j'ai trouvé que, d'abord, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé ces Sud-Africains? Est-ce qu'on s'est souvenu que c'était les champions du monde sortants? Quand nous regardons sur l'effectif, je crois qu'il y avait près d'une... c'est 14 champions du monde qui étaient encore là. Donc ils ont un vécu, ils avaient l'expérience de ces matchs de phase finale. Et je les ai trouvés quand même, on en parlait en off, je les ai trouvés hypertoniques, même s'ils ont eu des points faibles. Puisque nous avions bien entamé le match en marquant, mais ils ne se sont jamais relâchés. Et Gilles le disait, on ne va pas critiquer les joueurs et on ne va pas en citer un ou l'autre, mais je trouve qu'il y a eu des ballons gros, on n'a pas su réceptionner ces ballons gros, et ils ont trouvé nos points de faiblesse et ils ont scoré sur nos points de faiblesse. Ouais, il y a un peu de cul quand même. Hein. Ils ont les bons rebonds. Les rebonds ouais. Un peu de chance. Voilà. Après, quand même des quatre favoris, la France, c'est l'équipe la plus inexpérimentée en Coupe du Monde. C'est l'équipe la plus jeune. Là, tu prends les quatre. Sur l'équipe composée des joueurs, c'est l'équipe la moins expérimentée en Coupe du Monde. On est l'équipe la plus jeune. Alors, c'est les quatre favoris, je parle. Par rapport à ce que dit Gilles, et le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'expérience, tu as parlé de Fabien. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas tourné trop tôt sur notre première ligne,
notre première... Non, après, si on analyse techniquement, effectivement, on peut se poser plein de questions. Le coaching, déjà, le coaching n'est pas très bon, il n'est pas au rendez-vous, le banc n'est pas au rendez-vous. Quand on voit l'apport du banc sud-africain et l'apport du banc français, on voit tout de suite la différence. Après, Martine, tu ne vas pas me dire le contraire, tu as fait 4 Coupes du Monde, je crois, toi. Tout à fait. L'expérience compte. L'expérience compte, nécessairement. Oui, oui, oui. Et là, on a quand même marqué cruellement d'expérience. Dans la gestion du match, pendant 50 minutes, 60 minutes, on est quand même au rendez-vous. C'est les 20 dernières minutes où on passe à l'autre côté. On est bouffé en mêlée. Quand on a les changements, enfin, du coup, ça change toute la configuration du match. Hein. Comment tu l'analyses, toi, Martine, avec un œil plus extérieur, peut-être moins passionné que... Non, parce que je suis autant passionné que vous. Bon, d'abord, il y a bien sûr l'Argentine, mais après, c'est mon pays d'accueil, j'étais à fond derrière eux. Moi, je suis d'accord avec ce que vous parlez. Il y a un seul point qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est l'arbitrage. Tout le monde, il met la faute sur l'arbitrage aujourd'hui. Ouais. Et... Pas nous, hein, t'as vu, on n'a pas parlé de l'arbitrage. Même moi. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité. Comme tu disais, Gilles, ils ont eu des rebonds. Ils ont eu deux ou trois actions qui ont été aidées pour la bonne chance. Mais ils ont créé ça aussi, eux, en mettant toujours à la faute à l'équipe de France. Ils ne sont pas laissés jouer une seule minute de la façon qu'ils doivent jouer. L'équipe de France et donc Dupont. Dupont, c'est un mec qui sort les ballons hyper vite. Aujourd'hui, avec la pression qu'il a eue tout le temps dans la rack et dans il a arraché les ballons. Il fallait y aller chercher les ballons pour les sortir et ça ralentit tout. Voilà, après. Ouais, on est tombé sur une c'était grande... les points faibles. Je sais pas, est-ce qu'il y avait des points faibles ou est-ce que c'est la pression qu'ils ont mis constamment les Sud-Africains? Non, la pression, sûrement, bien sûr. La pression, voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme tu disais, Gilles, aujourd'hui, la France, il faisait partie, pour moi, des prétendants à la finale, au moins à la finale. Tout à fait. Donc, il y a une question, justement, qui peut, toi, te concerner, parce que tu es quand même un spécialiste de la pile, et il vante les mérites de ce pilier gauche remplaçant Sudaf, là, qui a bien cassé notre mêlée en rentrant, peut-être même plus que... Oui, enfin, s'il y avait eu Antonio en face, je ne suis pas sûr qu'il aurait cassé Antonio, tu vois. C'est toujours pareil. Là, on parle du pilier gauche remplaçant, mais en face de lui, il y avait le pilier droit remplaçant. Oui, donc, oui. Et on a bien vu la différence. Oui, mais Vandorien, le Deguerri à droite, ce n'est pas une truffe non plus, normalement. Non, ce n'est pas d'Antonio. Ce n'est pas d'Antonio. Hein. Antonio, après, on parle des bancs de l'Afrique du Sud. Bien sûr qu'il a aidé plus que, malheureusement, que les bancs français. Mais si on voit la présence physique qu'il a mis la troisième ligne africaine, ouais, c'est monstrueux. Voilà, c'est juste les 4, les 5, les 6, 7, 8. Ouais, c'est monstrueux. Ils étaient monstrueux, ils étaient partout. Et c'est pas les plus jeunes. Hein. Et c'est pas les plus jeunes. Voilà, tu prends les talonneurs à la fin, le mec il est crevé, mais à la 80e. Ouais, c'est sûr. À la 80e, eux, ils étaient encore en pleine forme, ça. Et nous, on était... C'est vrai que nous, ça fait partie des surprises, ça, quand même. On a senti qu'il y avait une baisse de régime des Français. On a vu le 3 Carrel qui prenait des crampes. Oui. C'était surprenant, quand même. Hein, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils seraient prêts pour les quarts de finale au sommet de leur forme. Et finalement... On a eu un gros déficit physique, bizarrement, au plus mauvais moment. Parce que quand on sort des poules, normalement, on se dit que la prépa physique, elle est faite pour avoir ce gaz supplémentaire pour les phases finales. Et puis d'habitude, on a un super Dupont. Là, on a eu un bon Dupont. Mais on n'a pas eu super Dupont, tu vois. On a eu un bon Dupont. Alors après, comme dit Martine, il a été aussi pris sous la pression des Sudaf. Parce qu'on n'a pas affaire à des rigolos, quand même. On a affaire aux champions du monde, qui avaient perdu contre nous, il faut s'en rappeler, il n'y a pas longtemps. Ils avaient pris 30 points, 30 à 26, hein, je crois. Voilà, ils sont aussi revanchards. Ils ont leur orgueil, leur ego. Et puis nous, en bon français, effectivement, comme ils le soulignent, on se plaint de l'arbitrage, mais l'arbitrage, il aurait pu aussi siffler plus souvent la mêlée française sur les 20 dernières minutes, parce qu'on s'est mis souvent à la faute, il ne l'a pas fait. Certes, si on fait l'analyse maintenant, après coup, image par image, en traçant les lignes de hors-jeu, on va dire Colby, il est parti une demi-seconde avant le machin, comment s'appelle-t-il, Etsebet, il a tapé sur le ballon finalement était en avant. Mais bon, ça fait partie, c'est l'effet de jeu, quoi. C'est lourd de conséquences, mais on ne peut pas se cacher derrière ça, compte tenu du fait qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Là où je rejoins Galtier, si tu veux, c'est qu'il se protège aussi, lui, mais il dit il faut qu'on analyse ce match et qu'on reparte sur l'analyse, s'autocritiquer, en fait, accepter de s'autocritiquer pour rebondir demain et plus fort encore. Bien sûr. Voilà, on a perdu contre plus fort. Hein. Vous parlez d'Antoine Dupont, c'est les efforts qu'il a fait pour revenir, pour être présent sur ce match.
Mais je suis quand même surpris qu'au niveau de l'encadrement, on lui fasse faire le match complet. Alors que l'UQ avait quand même fait sa partie contre l'Italie et qu'il aurait peut-être apporté quelque chose sur le dernier quart d'heure. Après, mais c'est un cadre. C'est le mec qui l'amène plus que juste techniquement. C'est le meilleur joueur du monde. Il amène, pour moi, bien sûr, c'est le papa. Hein. Oui, mais il n'a pas joué. Non, oui, après. Mais quand tu joues avec le Luxou au Dupont, pour les joueurs, même pour les joueurs et même pour les entraîneurs. Bien sûr. Hein, c'est pas la même. Difficile, ça donne la confiance. Difficile. Mais ça fait partie des questions qu'on s'est posées, effectivement. Pourquoi ne pas le faire sortir à la 60e ou le mettre à l'ouverture et puis faire rentrer le Luxou à. Parce que Jalibert était quand même pas très bien sur la fin de match. Bon, ils ont choisi Ramos. Oui, mais ouais. Bon, Ramos n'était pas très bien sur le match non plus, hein, alors qu'il nous a habitués à des matchs. On finit bizarrement cramé. Derrière aussi. Moi, c'est ça qui m'étonne le plus. Moi, quand tu vois les dernières. Physiquement. Les 5 dernières minutes, qui surtout. C'était Oxy. Malheureusement. On voit justement les 3 dernières actions des savants français. Ils prennent leur ballon. Ils n'avancent pas. Arrêter et ils ne sont même pas capables. Ils ne savent même pas quoi faire. Hein. Et c'est ça, ils ne sont même pas capables d'y aller prendre contact. Mmh. C'est les Sud-Africains. Mmh. Bon, on revient après aussi sur les faits que les Sud-Africains ils ont été énormes à la pression. Mais quand tu t'es dit, il y a 3 actions, moi c'est ça qui me reste à la tête à la fin. Hein. Les savants français, ils prennent le ballon, ils ne savent plus quoi faire. Mmh. C'est là où ça devient compliqué. On se retrouve plusieurs fois dans cette situation où nous, on est sous pression, on recule de 5 mètres, de 10 mètres. Le seul qui nous a fait avancer sur le match, il est sorti à la 58e ou 60e, c'est Movaca. Ça a été mon interrogation. Moi, je me suis dit pourquoi il le sort alors qu'il était énorme. Antonio, c'est pareil, il faisait encore la main, il les sort. Sauf que nous, il y a une donnée qu'on n'a pas, si tu veux, et qu'ils ont eux maintenant, c'est les datas. Les datas, ils disent que le mec, il est dans le rouge, ils le sortent. Mais moi, vu du match, je me dis pourquoi on fait sortir Antonio et Movaca, quoi. Putain, Antonio à droite, c'est un monstre. Oui. Il faut bouger quand même. Après, peut-être qu'Antonio était vraiment cramé, mais j'ai trouvé que Baye est sorti frais aussi quelque part. Il sort frais. Il fait un bon match. Il marque 2 essais. Mais 180. Mais on l'a pas senti. Mais tu comme dis que le banc il va être bon là. Ouais. En fait, tu te dis que ton banc va être bon, sauf que là il l'a pas été. Non, le banc n'a pas été au rendez-vous du tout. Oui, mais au départ, en fait, c'est déjà arrivé que quand tu les remplaçants, quand ils arrivaient, ils étaient bons. Oui, mais là ils l'ont pas été. Mais que tu sais savoir s'ils vont les Effet zéro des remplaçants. Ce que je trouve dommage, toi, c'est par rapport aux Irlandais qui font un match de dingue à la fin, et nous, pas du tout. On n'a pas été capable de finir. Pas du tout, en fait, comme dit Martine, c'est-à-dire que tu prends le ballon arrêté, et ça, c'est... Tu prends le ballon arrêté. Si tu prends le ballon arrêté, c'est ce que tu apprends au départ, tu peux strictement... Tu peux faire grand-chose, en fait. Surtout. Parce que... c'est ce qui nous a manqué aussi, je pense. On peut tourner les choses dans tous les sens, mais quand on les a battus justement et qu'on leur a mis 30 grains, je regardais en préparant un peu l'émission ce fameux match, les mecs rentraient sur le terrain et je regardais qui était aligné côté français. Il manque Willemse et il manque Marchand. Ouais, donc ce talonneur et ce deuxième ligne... Marchand, il ne manque pas pour moi. Quand tu vois le match de Movaca, il est là. Parce que quand tu rentres Bourgarit à la place de Movaca... Enfin, Bourgarit, quand il est rentré en équipe de France, il a toujours fait des bons matchs. Mais là il est pas... quand il faut de la grosse densité, tu vois, c'est ce qu'a amené, c'est ce qu'il y avait qui était bien entre coaching mais et Marchand. Quand collectivement, tu as l'ascendant sur l'adversaire, là la densité physique, elle était sud-africaine sur le match. Aldridge, on le voit tout le temps, on ne l'a pas vu sur le match. Il n'a pas franchi une seule fois. D'habitude, tu l'as pas vu. Qu'il était pris par la patrouille. Pourtant, on a eu le ballon, parce qu'on en parlait sur ce plateau. 68% de possession en première mi-temps. Donc, on parlait du jeu de dépossession. Et bien là, pourquoi on a joué contre nature? Parce qu'on a joué comme ça pendant 4 ans. Et le jour du quart de finale de la Coupe du Monde, on se dit on va tenir le ballon contre les Sud-Africains qui sont hyper agressifs. Oui, mais ça a failli nous réussir. Regarde, si LCB ne tape pas sur ce ballon, il y a 14-0. À la sortie derrière, tu as laissé des Sud-Africains. On a pris 3-0. Ça va tu vite. Tu peux virer à 14-0, ouais, c'est sûr. Ouais, après, on parle que des Sud-Africains, mais on fait un point sur la troisième ligne française. Tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas vu assez à Aldridge, surtout, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, Aldridge, c'est... Oui, c'est un des meilleurs. Après Dupont, c'est le meilleur. Mais la troisième ligne française, il a fait un match énorme aussi.
Il en fait une prestation de haut niveau. De besogneux. Voilà, mais le problème, c'est qu'ils ont été tout le temps en défense. Après, je n'ai pas vu les stats des plaquages, tu sais, le nombre de plaquages, tout ça, c'est toujours intéressant à regarder. Ça s'est équilibré au fil du match, en fait, les stats de plaquage, parce que quand on a dominé cette première mi-temps et qu'on a déplacé le ballon, les Sudaf, forcément, avaient un gros. Tu vois, on parlait d'expérience, Arnaud, mais quand tu vois qu'on a joué quand même 15 contre 14 contre l'Afrique du Sud, quand tu sors de Cébès, quand même, c'est un gros manque. Ouais. On n'a pas été capable, pendant les 10 minutes de Cébès, de marquer, et eux, ils marquent 3 fois ou 4 fois sur les 10 minutes. Tu vois, ça c'est aussi un manque de réalisme. Donc c'est lié aussi à l'inexpérience, à la pression des Sudaves, bien sûr, mais au bout du bout, ça compte. Peut-être trop de certitude, on était déjà. Non, je ne suis pas sûr, parce que quand tu joues quand même l'Afrique du Sud. Puis t'es dans Coupe du Monde, tu joues l'Afrique du Sud. Oui, mais on est chez nous, en fait. Oui, quand mais bon. Tu vois tous les médias, en fait. Jouer chez toi, ça ne t'amène pas de la certitude, Valérie. Ça t'amène de la confiance, de l'envie, pas de la certitude. Ouais, c'est sûr que là, un match de rugby, t'as joué au rugby, on n'a jamais non, mais on est d'accord, sauf que là, au départ, en fait, tu marques. Et après, regarde les essais qu'on prend. C'est quoi les essais qu'on prend? C'est des essais. Des essais construits, hein. Non, mais c'est nous qui faisons le jeu. C'est quand même des chandelles décroisées. C'est pas des chandelles plein axe. Mais n'empêche que c'est pas des essais construits. C'est nous qui avons le ballon. C'est nous qui. Ils ont un peu Et en fait, après, t'as quand même le doute qui s'installe. Et du coup, tu places pas ton jeu. Je pense que Erasmus a eu. Certainement, peut-être une meilleure analyse que nos coachs à nous faire des jouets tactiquement. Il y en a qui le disent. L'équipe de France. Mais on parle de tout ça, mais si à la dernière seconde tu prends une pénalité que tu marques ton point, on est au centre du meilleur du monde. On est à la 73e. On est à la limite de. Il y a un point. Des trucs. Voilà. Ramos, les points qu'il rate aussi, alors que d'habitude il réussit tout, et là il en rate deux. Non, mais c'est vrai que c'est la 73e minute, je crois. Ils ne prennent pas les points là. Avec la contre-transformation. Tu prends pas les points. Aussi à la dernière, au dernier moment, tu prends 3 points pour toi, t'es à la limite de tout, en fait. Malheureusement, le problème, c'est qu'on... On aurait gagné. Je sens qu'on est en train de... Pas massacrer, mais d'être très dur vers tout le système. Comme tu disais tout à l'heure, ça a marché pendant 4 ans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, il faut pas tout jeter à la poubelle... C'est des mecs qui sont faits, après malheureusement, comme on dit, est-ce que l'Argentine il mérite au plus, ou l'Angleterre il mérite au plus que l'Irlande, que la France va être en demi-finale? Non. Pas du tout. Bah, tombait sur les mauvais moments, mauvais endroits. Nous, on parle d'Irlande, qui est ultra dominateur au niveau mondial, et puis ils sont passés à la trappe Et qu'ils font 30 ou 38. Mais c'est pas le même match. Oui, mais ils font 38 faces de jeu. Ouais, deux fois dans la même au même rythme qu'ils l'ont fait à la 80e, au même rythme qu'ils l'ont fait à la première minute. C'est le match le plus incroyable que j'ai vu depuis 20 ans. Et la défense des Blacks, c'était énorme jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Tu vois, c'est non, mais là, tu as vu deux équipes au-dessus physiquement que nos Français. Parce que pour moi, après, de l'extérieur, des gens qui ne connaissent pas le rugby, ils ont adoré. Les gens. Quelle Nouvelle-Zélande, mais même le nôtre. Les gens qui ne connaissent pas le rugby, que tu ne le connaisses pas, ils ont adoré. Elle est belle. La première mi-temps. Les gens, ils ont adoré regarder le match. Même à la fin, même tu perds un point. Tu crois, en fait. Jusqu'au bout, tu crois. Moi, mon fils, il pleurait comme une madeleine après. Les 20 dernières minutes, je disais ça va être dur. Je comprends pas. Ça va être dur, mais tu crois quand même. On connaît peut-être. Elle a raison, on connaît, mais. Mais au fond, tu crois quand même un peu quand même. Ah ouais, moi je suis très optimiste. Tout peut arriver, moi aussi. Donc tu te dis un drop, un truc. Tu peux pas croire, tu sens. Mais tu étais dans tes 40 mètres et tu reculais chaque fois à la dernière minute. Et tu prends pas les points quand tu prends. Oui, mais est-ce que moi je le vois pas forcément. Mais si tu étais tellement dans le truc, tu te dis à un moment donné, voilà, un point, c'est rien. Ça optimise, c'est important. Mais il faut être réaliste aussi. Mais, 80, oui, mais 70 mètres, ça fait loin. J'ai regardé, le score a changé 11 fois. Ouais. Et en fait, on a été devant simplement 3 fois. Alors, vous qui avez joué mentalement, est-ce que de courir toujours derrière ce score, c'est pas un peu compliqué, quoi? Et que ça n'a pas donné de la confiance au Sudaf Non, je pense pas. Sur ce match-là. Il y aurait eu 10 points d'écart, tu cours après 10 points, mais là, ils ont couru à chaque fois après un minimum de points. C'était quand même très serré. Je pense pas que ça a joué, ça. Non, c'est pas ça qui a joué. Je pense que par contre, les Français ont pris un gros coup moral à pas pouvoir franchir cette défense sud-africaine, à subir les impacts, parce qu'on a quand même subi globalement. Après, on a fait quand même plus que jeu égal pendant plus d'une mi-temps, quoi. C'est ça qui est incroyable. Mais on a manqué de réalisme, encore une fois.
Un mec comme Ramos, qui d'habitude nous met les points, là, il manque 5 points, plus il se fait contrer sur cette transformation. C'est là que ça gamberge, après. Ouais, et quand là, ton buteur commence à louper les pénalités. Et que tu prends des essais casquettes. Au-delà du sportif, j'aimerais quand même que l'on réponde à Tifosi 7, qui dit « Malheureusement, le soufflet du rugby est retombé dimanche soir ». Est-ce que vous pensez que pour nous, Français, pour les écoles de rugby, pour la promotion du rugby, cette défaite en quart de finale, peut-être problématique. Problématique non, mais dommageable. Parce que là, il y avait un tel engouement, forcément dommageable. Tu vas perdre, tu vas laisser deux matchs, il restait deux matchs pour aller à la finale, tu laisses deux matchs en route. Finalement, l'engouement s'arrête. Alors, on va rester sur une belle image, avec des beaux champions, hein, des Dupont, des Aldrit. Enfin, il y a des vraies têtes d'affiche aujourd'hui dans ce rugby français. Maintenant, tu coupes effectivement l'air. Le dernier carré, c'est pas pareil. Non, parce que tu vas au bout de la compétition, tu joues. Non, et puis encore une fois, on en a tellement vendu. Ça fait 3 ans qu'on nous vend la France en finale, la Coupe du Monde en France, etc. L'équipe est magnifique depuis 4 ans. Après, est-ce que c'est pas vrai ça ? De quoi est-ce que c'est pas vrai ? Justement, qu'aujourd'hui, c'était l'année. Oui. D'être champion du monde. Bien sûr. Ah, voilà. Mais on est tous d'accord pour dire ça. L'équipe, il était pour. C'était à la maison. C'était pas la seule année. Je dis, c'est pas la seule année où à un moment donné, on aurait pu aussi. Non, mais là, l'équipe de France. Pour moi, c'est là. Peut-être même la plus belle. Sûrement la plus belle. Mais non, mais parce qu'il y a pas. Hier, j'écoutais Philippe Saint-André parler de leur Coupe du Monde où, voilà, qu'ils ont perdu sur un truc. Non, mais là, ils se font enfiler grave. Et voilà, donc c'est des petits trucs, en fait. 95, c'est pire que 2011, la finale. Voilà, c'est. Je vais aller la géopolitique. Je vais aller plus loin dans le raisonnement. Pardon. Vas-y. Tu dis en 2011 la finale. Ouais. Tu dois arriver en finale ? Non, tu dois même pas sortir. Tu dois même pas sortir des poules. Alors, l'argument, c'est pas. Voilà, oui. Là, on parle d'un procès. Bien sûr. Des 4 ans de travail, des 4 ans dont tu as survolé toutes les équipes. Il faut dire la vérité. Ouais. Entre l'Irlande, on parlait tout à l'heure, entre l'Irlande et la France, tu as battu tout le monde chez eux, chez toi. C'est en France. Qu'est-ce que tu veux de mieux ? C'est pour ça que c'est violent. C'est pour ça que ça fait mal. C'est là où. C'est pour ça que, pour répondre à ce que tu disais, oui, là, ça coupe quand même. Pour parler vulgairement, ça fait chier tout le monde. Voilà. Et forcément, la jeunesse qui était portée sur le rugby, elle va moins s'y intéresser puisqu'ils vont moins être à l'affiche, forcément. Après, si tout va bien, je dirais les 3/4 de notre équipe peut être à la prochaine Coupe du Monde. Mais peut ne pas y être. Hein. Tu sais, aujourd'hui, quand tu vois les matchs, les impacts et tout, dans 4 ans, il aura 30 ans, Dupont. Hein. Dans 4 ans, avec les matchs qu'il fait, il sera peut-être moins en forme qu'il l'était là. Hein. Tu vois, il sera peut-être plus là d'ailleurs. Non, je ne souhaite pas. Hein, mais alors après, il y a cette génération-là et puis la suivante aussi. Après, il ne faut pas oublier, perdre de vue qu'on est depuis 3 ans champion du monde des 20 ans à chaque fois. Enfin, c'est quand même, voilà, il y a un réservoir fort. De toute façon, on remet pas tout en cause sur un match perdu d'un point en quart de finale, c'est sûr. Non. Après, par contre, des choses vont changer. Je ne sais pas si vous avez lu l'équipe aujourd'hui. Jean-Marc Lhermé, ils annoncent quand même le staff à 28, c'est terminé. Enfin, ils avaient un staff global à 50 personnes. 50 personnes, ça coûte un peu de fric. La Fédé est en déficit de 9 millions. Ils vont réduire quand même. Là, on va faire les comptes maintenant. Voilà, il va y avoir quand même quelques chamboulements. Hein. Oui, on a vécu au-dessus de nos moyens, je pense. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est ceux qui vont prendre la suite qui vont ramer, je pense. On gagnera dans 4 ans avec Jauneau en 9. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a du Dupont au Jauneau. Bon, parlons des autres quarts de finale quand même, parce que. Ouais. Il n'y avait pas que nous ce week-end. Non. Hein, Martin. Et puis, il n'y avait pas que la France. J'ai dit à Martin Chéreau qu'on n'a pas peur. On ne joue pas la demi contre l'Afrique du Sud. Là. On joue contre les Blacks. La demi-finale, ouais. Ah oui, donc une erreur historique. Ouais. Tu t'en rappelles encore bien, je suppose. Oui. Parce que en fait. On a perdu avec une grande équipe d'Afrique du Sud, qui à la fin, ils ont été champions du monde. Mais je pense que nous, comme tu as dit tout à l'heure, on a déchoué les matchs. Ouais. On n'a pas fait les matchs les mêmes prestations. C'est pas qu'on a fait pas la même prestation. On a fait un gros match, mais on a joué de la façon qu'il fallait pas jouer. Ouais. Une erreur tactique. Ouais, erreur tactique. Une mauvaise stratégie. Après. On revient au match. Bon, on a perdu plus. L'écart était plus grand, mais je ne me rappelle plus comment c'était. Mais on prend 3 CC des 80 mètres en contre. Et comme ça fait faire les Blacks. Ah ouais. On encaisse 3,
trois essais, dont deux des 80 mètres, il y en a des 50 ou 60 mètres en contre. Il y avait Abana qui l'a fait, il a fait qu'est-ce qu'il voulait. Il a 10 000 à l'heure. Ah ouais. À un moment donné, je me trouve face à lui. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait Le mec, il me met un petit coup par les yeux. Dès que je me suis trouvé, il était à 20 mètres. J'ai dit, allez, arrête-toi. Pourtant, tu étais super rapide. Et j'étais rapide. Non, les autres cartes finales, ben, on a vu un super Irlande-Nouvelle-Zélande. Hein. Mmh. Encore une fois, pour moi, un des plus beaux matchs qu'on ait vu ces 20 dernières années. 42 minutes de temps effectif de jeu. Des phases de jeu, 30-30 la première action, 37 ou 38 la dernière action du match. Côté irlandais comme côté All Blacks, c'était tout, magnifique, c'était un rugby magnifique, avec de très très grands joueurs. Ils ont mis le niveau de jeu très très haut. Après, sur les autres cartes finales, on a senti quand même, notamment, il y en a un, c'était, je ne sais plus lequel des deux, mais il y en a un, c'était niveau Pro D2 international, hein, je veux dire. Oui, mais bon, Angleterre-Fidji. Angleterre-Fidji, ouais, c'était, mais même le gars argentin, c'est le gars argentin qui n'a pas été dans, pour moi, c'était pas un bon match, c'est pas un bon niveau, mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Là, on va jouer une demi-finale, tout est remis à zéro, là. Et vous verrez qu'on n'aura pas de score fleuve comme on pourrait penser qu'on va l'avoir. Parce que là, les mecs qui jouent une demi-finale. Là, les mecs qui jouaient. Enfin bon, tu joues avec les triples. Là. Tu joues pour le pays. Oui, mais l'engagement physique, ça va compter aussi. L'engagement physique qu'ils ont eu les Africains et les Nouvelles. Ils ont laissé des plumes. Ils ont laissé des plumes. Nous, on a laissé des plumes. L'Angleterre, il a laissé des plumes. Mais ça n'a rien à voir contre eux. Il n'y avait pas la même intensité. L'intensité, ce n'est pas la même. C'est vrai qu'on a. On avait un peu vite enterré les Blacks. Et les Anglais. Bah écoute, les Anglais. Moi je vais partir. Les Anglais, pour moi, ils sont là, hein. Mais ils sont là grâce à ce fameux tirage au sort qui les amène ici. Voilà, parce qu'ils c'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Heureusement pour nous, parce que moi, à l'Argentine, comme on disait tout à l'heure, est-ce que l'Angleterre et l'Argentine ils méritent mieux que la France et l'Irlande sur les trois dernières années. Ça marche comme ça. J'ai fouillé parce que je ne comprenais pas ce tirage au sort. En fait, il a été fait il y a deux ou trois ans sur le classement du moment. C'est ça qui est merdique en fait. Il faudrait que finalement les tirages, ils les fassent un an ou deux ans avant la Coupe. C'est trop tôt. Et puis c'est vrai que ça fait un tableau très relevé d'un côté et beaucoup moins relevé de l'autre. Mais ça change tous les temps. Regarde, le Fidji, ils ont gagné avant la Coupe du Monde contre l'Angleterre, ils sont montés des 4 ou 5. C'est-à-dire que c'est très ambigu, ça aussi. Quoi, mais 3 ans ou 4 ans avant, forcément, c'est pire. Mais t'imagines, tu l'as fait 6 mois avant. Fidji, il s'est trouvé des 13e ou 14e, s'est trouvé dans les 10 meilleurs pays. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Ouais, c'est sûr. Sur la Coupe du Monde, oui. Pour l'instant, ils sont au rendez-vous de leur Coupe du Monde. Ce qu'ils font, c'est plutôt pas mal. L'envie. Mais c'est pareil qu'il y a... J'aimerais revenir sur Angleterre, Fidji, parce que vous dites l'Angleterre est là. Mais ils ne devraient pas être là, d'ailleurs. Les Fidjiens pourraient être là, parce que vous allez jouer à grand-chose. Hein. On a beaucoup parlé de l'arbitrage de France-Afrique du Sud. J'aimerais bien avoir vos impressions sur l'arbitrage. Je viens de te dire, en disant à Martine, pour moi, les Fidjiens, ils sont présents sur la Coupe du Monde. Ils battent l'Angleterre, il y en a à dire. S'ils ont un buteur, ils gagnent l'Angleterre. Je ne parle pas des faits de jeu, moi, d'arbitres. Il a été scandaleux. Parce que, sans déconner, on critique toujours les arbitres et tout. Pas facile. Par contre, ce que je ne comprends pas, pour finir sur le corps arbitral, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 arbitres. Il y a une TMO. Ils nous font chier des fois avec des TMO sur des trucs qu'on n'en a pas besoin. Là, si on prend l'histoire de Colby, encore une fois, pas une seule fois, ils font appel à... Là, c'est incompréhensible parce que un mec, enfin, on a tous joué au rugby, le mec qui vient contrer le buteur qui est au 22 en coin, alors il va très vite, Colby. Hein. Ouais. Mais tu peux t'interroger, tu peux demander juste la vidéo, contrôler. Ouais. Ça n'a pas été fait. C'est quand même énorme. Après, pour le reste, après, les arbitres, ça a toujours été une difficulté. Le corps arbitral, c'est tellement facile de critiquer les arbitres. L'histoire de la vidéo de Colby, là, par exemple, qui circule, moi, c'est presque un démenti, finalement. Parce que tu l'as vu, le... Oui, je l'ai vu. Il part avant. Ramos fait un petit pas de côté avant de... Il part avant. Tu le veuilles ou non, pas beaucoup. Oui, mais il part avant. Je pense. Et la règle, c'est la règle. Ça m'a mis le doute. Quand je l'ai vu, j'ai l'impression que Ramos fait ce petit pas de côté. Là, et qui lance le plus. Ouais, mais en fait, il explique, vu qu'il a joué avec lui. Alors Jean-Luc, regarde, je l'ai vu moi aujourd'hui. Là. Alors j'ai vu les mecs, ils ont fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont tracé une ligne. Mais tu fais image par image, tu traces une ligne, tu vas la voir la faute. Mais dans l'action, dans le moment, dans le truc,
Moi, ce qui me gêne, c'est que tu as 95% d'arbitres qui auraient sifflé un en avant volontaire, un anti-jeu, un ce que tu veux. Et ce qui me gêne d'autant plus, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, 95, l'Afrique du Sud chez elle, bon, il y a Mandela, il y a ci, il y a là, ok, il faut qu'ils gagnent. Les Néo-Zélandais de 2011, on est toujours baisés. Chez eux, enfin, c'est la Coupe du Monde est chez eux. On se fait toujours baiser. Bah, ils savent le faire, mais on ne sait pas faire. Et nous, on est toujours les dindons de la farce. Et nous, on organise la Coupe du Monde. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a eu 68% de possession pendant 50-60 minutes du match. On a joué à 15 contre 14 pendant 10 minutes. On n'a pas été foutu, d'être réaliste et de marquer des points à ce moment-là. Il faut savoir aussi reconnaître la supériorité des adversaires à un moment donné. Mais ce que dit Arnaud, ça donne peut-être raison au président Green que j'écoutais ce soir. Oui, qui dit qu'il faut qu'on soit représentatif. Il faut qu'on soit dans le board. Dans le board. Avant, quand il y avait Ferras. Et nous, on a les représentants dans les boards, on ne gagne pas non plus. Alors, les gars, j'étais sûr que tu Mais n'empêche qu'on parlait d'Angleterre-Fidji. Moi, j'ai trouvé leur fin de match. Les Fidjiens, t'es accroché à ta télévision. Le dernier essai qu'ils mettent, franchement, et après, jusqu'au bout. Alors, je sais pas, mais moi, jusqu'au bout, tu te dis, à un moment donné, ils vont peut-être marquer, en fait. Mais j'y crois jusqu'au bout. Alors là, moi, je te donne raison. Moi, j'y ai cru jusqu'au bout, les Fidjiens, franchement. Sur Fidji, oui, parce qu'ils étaient... Alors là, c'était... C'est vrai que tu te demandais... Par rapport aux phases finales, où je les ai trouvés vraiment chien fou, des fois. Ça va partout. Là, je les ai trouvés un peu plus organisés, quand même. Et franchement, c'est cet essai qu'ils nous mettent à la fin. Et là, tu te dis, jusqu'au bout... Ils vont marquer, quoi. Je veux dire, tu crois. Puis tout le monde croit, en fait, a été un peu pour les Fidji et moins. Après, les deux anglais, ont été équilibrés. Ça a été des matchs quand même équilibrés. Ouais. Jusqu'à la fin, ça a été indécis. Même pays à l'Argentine, voilà. Les équipes se sont filées, quand même. Il y avait du suspense. C'était valeureux, quand même, quoi. C'était des matchs de haut niveau. Même s'il y avait une différence de niveau. Parce que tu as vu les autres affiches, elles sont juste énormes, quoi. Mais c'était quand même assez. Moi, je les ai regardées, je me suis régalé, hein. Et puis j'étais content du coup parce que les Argentins. Je pense que les gens ils ont regardé. C'était chouette. Et puis j'ai cru que les Fidjiens allaient faire la nique aux Anglais. J'aurais été le plus heureux des hommes. Mais après on veut tout le monde qui gagne le Fidji parce que c'était on va dire les petits. Les petits des tous. Hein. Mais est-ce que ils sont sur une poule où c'était pas foufou non plus. Hein. Oui. Parce que sauf le pays des Galles qui a tout gagné. Qui sont failli perdre déjà contre les Fidji au début, mais après ils doivent perdre contre les Fidji même. Ils doivent perdre, mais après les Fidji ils perdent contre le Portugal. Tu t'es dit est-ce que c'est ce qui m'a mis un doute moi sur leur réussite contre les Anglais. Moi, mais ils ont failli renverser. Quand tu perdent contre le Portugal, parce que les matchs et les oppositions se ressemblent pas. Encore une fois, tu verras, vous allez voir qu'on va être surpris, je pense, de l'Angleterre contre l'Afrique du Sud. Alors moi je les vois pas gagner. Parce qu'il y a quand même une grosse différence de niveau, mais comme dit Martine, ils ont laissé beaucoup de jus là contre les Français. Hein. Donc ça risque d'être. Enfin, la première mi-temps va compter. La première mi-temps va compter. Et puis t'as un Farrell. T'as un Farrell qui en loupe pas beaucoup. Enfin, tu vois, t'as une équipe d'Angleterre qui est quand même qu'on a retrouvé un peu plus joueuse, un peu plus construite, plus pragmatique. Après, moi, l'opposition n'était pas la même. Ces Anglais, ils avancent un peu cachés là, et puis que voilà. ils ont un jeu pas foufou, mais structuré. Ils sont là et on n'est pas à l'abri qui. Moi, je ne vois pas un sport fleuve sur Angleterre-Afrique du Sud. Par contre, je dis, ça craint pour l'Argentine. Quoi. Les Argentines, ils ont intérêt. Non, mais ce n'est pas pour faire ça. Attention, hein. Pourquoi parce que les Néo-Z, ils ont un fond, ils ont un banc en plus qui est exceptionnel. Ils ont un banc quand vous voyez le banc. Mais si on gagne, si on a le bonheur de gagner, ça peut arriver une fois sur mille. Ça peut arriver. Bon, on s'en fout. Non, mais si ça passe, tant mieux. Moi, je serai le plus heureux du monde. Soyons honnêtes, c'est exceptionnel. Martin, ça va être compliqué. Les Argentins ont battu la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande il n'y a pas si longtemps. Non, l'année dernière, saison passée. Mais ils ont tout perdu avant d'arriver à la Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande. Donc, presque. N'oublions pas qu'on a gagné que deux fois contre la Nouvelle-Zélande. Hein. Jamais. Ça fera trois. Toi, tu les as battus Tu les as battus, toi, ou pas? Non. À l'époque, je n'ai plus beaucoup, même. À moins de 20, à moins de 21, et avec tout. Ils nous ont fait des mauvais souvenirs. À la fois, Il y a des équipes comme ça qu'on n'aime pas. 70 et 100. Hein. Mais non, mais en plus, je pense qu'ils les aiment. Qui n'aime pas la Nouvelle-Zélande? Non, mais ce que je veux dire, il y a des équipes comme ça où on sait que ça va être compliqué de jouer contre eux. Battre les Nouvelle-Zélande, c'est toujours un exploit. Après, aujourd'hui, l'Argentine, ce n'est pas les mêmes équipes qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais même depuis 2-3 ans, ce n'est pas la même équipe. On parle un peu plus, justement, de ce quart de finale Argentine-Pays de Galles, quand même, parce que.
À 10-0, tu devais quand même t'inquiéter, Martine, non? Quand les Argentins font pas un bon début de match, et puis les Gallois scorent relativement facilement là, ouais. Sur ce retour inter, là, puis c'est ce super Dan Bigard là, qui marque cet essai. Et c'est vrai que ça a mal lancé le match côté argentin. Quoi. J'ai jamais été, même jusqu'à la fin, j'étais jamais rassuré non plus. Hein, mais c'est vrai que les premières 10 minutes, on était pas en place. Après, je pense que le pays des Galles, ils sont déchoués à leur faveur, parce que si on voyait bien les matchs, les Argentins ont été très forts des 10 à l'extérieur, mais entre les 10 et les racks, les 10 et les formations fixes, il y avait un boulevard. Je pense que la mi-temps leur a fait du bien aux Argentins. Alors, je sais pas qui a pris la parole, mais ils sont revenus en deuxième mi-temps. Que c'était pas la même équipe. Tout de suite, ils ont pris l'ascendant en deuxième mi-temps. S'ils étaient plus présents sur les impacts, sur les phases de ruck, ils étaient solidaires. L'ascendant, je sais pas, parce que c'était dur jusqu'à la dernière seconde. Ils étaient plus relâchés, tu vois. On était plus relâchés. Ils étaient bien. Et puis le coaching, Crivi, Sclavi. Ça fait du bien là-bas, Clévis surtout. Clévis, c'est un client. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des collègues et on disait justement ça. Le fait que Clévis rentre chaque 20-25 minutes ou même 15 minutes, il donne une bouffe d'oxygène à toute l'équipe. Alors, je pensais qu'ils allaient le faire rentrer avant parce qu'il était l'honneur argentin pendant un moment sur le terrain, il boitait. Ils ont mis du temps à le faire rentrer, Crémier. Après, une question, Martine. Là, ouais. On nous dit, êtes-vous étonné que Kremer ne joue qu'en troisième ligne? Tu as une explication, toi? Faut-tu le faire jouer où? J'allais dire la même chose. C'est en troisième ligne. Hein. Ah, parce qu'il joue en deuxième ligne. Il joue en deuxième ligne. Oui, mais c'est un troisième ligne. Il faut aussi le faire jouer première ligne et plus jouer, mais... Non. Donc tu dis à Tifosi, c'est en troisième ligne. Je ne sais pas étonné. Il peut dépanner un... En deuxième ligne. C'est un boucher d'ailleurs. C'est les meilleurs Argentins pour le moment. C'est un des osseurs. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette troisième ligne, Kremer, Issa là aussi. Issa qui a fait son match. Malgré l'absence de Matera, parce que c'est vrai que c'était quand même un papa un peu Matera dans cette équipe. Il reviendra pas, lui, non, c'est sûr. Non. C'est cuit. Oui, mais on parle de Matera parce que c'est un papa, parce qu'il est présent dans les serres, dans le placage et tout ça. Mais n'oublions pas les matchs qu'il a fait, ça aussi. Hein. Oui. Avec Kremer, c'est les deux qui sont mis l'équipe en avant tout le temps. Les deux ou trois fois que l'Argentine. Oui, c'est ça. Mais les deux ou trois fois que l'Argentine. Et là, on revient. Vous avez dit pourquoi on sort à Tony à un moment donné, et Mawaka, nous, pourquoi on sort Issa? Issa, il fallait les garder, c'est les seuls qui, dès qu'ils prenaient contact, en attaque, il avançait, et dès qu'ils prenaient contact en défense, il avançait aussi. Et c'est là où je me pose les questions. Quand on parle de joueurs expérimentés, on peut parler aussi de la rentrée en jeu de Sanchez, qui en plus finit de faire basculer le match, mais qui est un buteur de classe. Boffelli en Kitou à 55 mètres. Boffelli, il a fait un début de match très moyen. Ouais, après, il est rentré dans le match, il a fait mal. Et puis cette pénalité qui met lointaine, là. Ça fait du bien. La première, je ne sais pas comment il la loupe. La première, il la saucisse. Ça ne lui ressemble pas, en plus. Ouais. Bah, la pression, peut-être. Oui. Mais ça peut arriver, la preuve. Hein, même des grands buteurs, ça leur arrive. Hein. Mais c'est vrai que là, l'Argentine est fort de deux buteurs, au moins, quoi, on va dire. Parce que ça, Sanchez. Même les trois. Hein, Carrera, il tape aussi. Ouais. Un petit mot sur Thomas. Puisqu'on nous posait. Thomas Lavinini. Moi, je ne l'ai pas trouvé terrible, moi. Honnêtement, personnellement, moi, je ne l'ai pas trouvé terrible. Je trouve qu'il n'a pas le Kremer, la troisième ligne. Kremer, Issa, mais même le 8, hein, je ne sais plus son nom, numéro 8 argentin. Issa. Mais je l'ai trouvé. C'était Issa, là, qui était le 8. Il fait un bon match, hein, la troisième ligne. Mais moi, Lavinini, je ne le trouve pas, même depuis qu'il est chez nous d'ailleurs, je ne le trouve pas au rendement qu'il avait quand il a démarré en équipe d'Argentine. Là, je le trouve plutôt mou, lymphatique. Alors, je suis peut-être sévère, hein, mais je ne trouve pas. Oui, après chacun. Il ne pèse pas comme il pesait, quoi. Il ne pèse pas. Je trouve qu'il pèse pas. Ouais, mais après, il est aussi sur la fin de carrière. Je pense qu'il faut. Ah oui, mais enfin bon, c'est quand même un joueur important. Je pense qu'il est sur la retenue. Ouais.
Ouais. Il a peur de se faire. Il a trop été sanctionné. Parce que tout le monde, il les demande justement ça. Calme-toi, tu te fais pas. L'équilibre, ouais, tu crois, je pense. Après, c'est un mec, il est dans l'ombre, il fait mal. Hein. Ouais, mais du coup, il n'est pas transcendant, comme ouais. tu disais, mais ouais. c'est un mec qui plaque, qui récupère en l'air. Ouais, il est précieux. Voilà. Ouais, mais tu vois, si on compare, par exemple, à Ed Sebest, qui a une autre densité physique, hein, et encore que Lavigny, quand même, c'est quand même costaud. Ouais, c'est quand même ouais. Mais il n'y a pas de retenue sur Ed Sebest, ouais. tu le vois. Les deuxième ligne française. Ouais. Non, elle ne pèse pas pour moi d'une phrase. Voilà. Mais ils sont là. Woki fait son match. Que Flamand ne fait pas son match. Flamand, il n'est pas au rendez-vous. Bien. Flamand, il n'est pas à son rendez-vous habituel. Après, ils ne sont pas au rendez-vous, mais ils sont précieux aussi par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Oui, sûrement, sûrement. Et puis bon, étant en tant que joueur, on n'a pas toujours été au rendez-vous non après, plus. Après, la critique est Lavigny, ou peut-être il pêche, comme tu disais, c'est qu'on ne le voit plus prendre des ballons et avancer comme il avançait avant. Voilà. Ça oui, mais dans l'ombre, dans les plaquages, dans les racks, c'est un mec qui les pressent. Ouais, justement, avant, c'était une autre dimension. Quoi. Avant, il prenait ses ballons, il avait des grandes cordes, il avançait, il cassait les défenses. Là, on le voit moins. Vous allez faire plaisir à Charlie parce qu'il dit on n'aura pas parlé de l'ASM. On parle un peu de l'ASM à travers de nos Argentins. Mais Charlie, je te donne rendez-vous dans 15 jours, on parlera de l'ASM parce qu'on aura rattaqué. Je crois que Emiliano, c'est le. le fils de Victor. Non, mais c'est la famille. Hein. Ah oui ouais. Ouais. Non, mais de Victor Ophéli, l'ancien talon. Oui. Ah bon, d'accord. Hein. C'est pas vrai. Eh ben, un scoop, alors il a raison, alors j'ai remarqué. Et je me suis posé la question. C'est pas le fils. C'est pas le fils. Non, il a qu'une fille. Il y a de la famille, alors d'accord. Victor ? Il avait qu'une fille. Il a une fille, ouais, je connais sa fille. Oui, oui, il a pas de Cantal, les gars. Cantalou. J'ai pas posé la question à Victor, mais j'ai pensé, je me suis dit, ça se trouve, c'est de la famille à Victor. Et donc, ça en est, tu dis. Bon, ben, on va mener. Après, je sais pas qu'est-ce que c'est, parce que ça va être un. Cousin. Il y en a un cousin, des cousins, des cousins, peut-être, mais. Victor, il y avait beaucoup de familles en Argentine. D'accord. Bon, avant de passer à notre rubrique préférée, on va faire un petit jeu des pronostics pour les demi-finales quand même, parce que vous allez vous mouiller. On est toujours bon là-dessus. C'est toujours compliqué. Après, donner un score, c'est compliqué. Je vous autorise, on zappe le score, mais en commençant par Martine, honneur aux invités. Tu vois qui pour la prochaine finale? L'Afrique du Sud, l'Argentine. Oui, moi j'aurais dit pareil. Et tu ne peux pas dire autre chose quand même. Bah, bien sûr. C'est quoi fort, hein? Il faut, jusqu'au bout. Je ne vois pas comment on ne peut pas avoir un Nouvelle-Zélande d'Afrique du Sud, au vu des matchs qu'on a vus sur cette Coupe du Monde et puis des 2-3 années passées. Ça me paraît quand même assez évident. Maintenant, avec mon cœur. Hein. Je sais, mais c'est normal. Après, les matchs, il faut les jouer encore une fois. Ouais, hein. On en a vu des surprises hein, par le passé. Hein. Donc, Valérie. Moi, je suis comme Martine. Parce que j'aime bien les Argentins, ouais, mais c'est le côté cœur. Parce que Martine, c'est ton ancien coach. Et l'Afrique du Sud, parce que je trouve qu'ils mériteraient plus que les Anglais, mais c'est voilà. C'est... Ouais, c'est, et puis parce qu'en même temps, ils nous ont battus, donc je préférais que Anglais. Ce soit... C'est notre amour. Oui, voilà, c'est pleine de rancœur, ça. Ah non. Jean-Luc, sur ce qu'on a vu et sur les références des équipes, effectivement, on a tendance à dire Afrique du Sud de Nouvelle-Zélande. Mais comme le dit Gilles, le match n'est jamais gagné tant qu'il n'est pas joué. Une sympathique équipe d'Argentine, comme je disais qu'il y a quelques années, il y a pas si longtemps. Ils connaissent le chemin récemment. A battu la Nouvelle-Zélande. Ah oui. Pourquoi pas. Après, ces Anglais sont tellement bizarres. Donc, oui. C'est compliqué à dire. Quand même compliqué à dire. Laissons jouer les deux matchs, on verra après. On va se passionner pour ces deux matchs. Non, moi, mon côté parieur, effectivement, a envie de dire Argentine, Afrique du Sud, et pas que pour faire plaisir à Martine, parce que les Argentins connaissent le chemin. Ils savent, ils ont battu récemment plusieurs fois les NOZ, et ça pourrait être la grosse, grosse surprise, mais... Oui, c'est parce que j'ai envie de mettre une pièce pour prendre un petit risque. Mais pas une grosse pièce, alors, à mon avis. Si vous voulez faire gagner de l'argent. La cote est bonne, en tout cas. Je ne prêterai pas l'argent non plus. Tu vois, la cote, ça ne va pas te le dire.
Ah, mais c'est, ils ont un capital sympathie. Mais bien sûr, ils ont un capital. De toute façon, les équipes, par nature, c'est dans notre, ça, c'est les latins. C'est latin, on est des latins aussi. Par nature, on va, l'équipe la plus faible sur le papier, on va vouloir qu'elle gagne. Mais il faut être réaliste. Mais si je suis réaliste, je dis Nouvelle-Zélande, voilà, Afrique du Sud. Après, je suis argentin, c'est mon cœur. Voilà. Bah, oui. C'est mon équipe et je serai là-bas. Hein. Mais après. En tout cas, ça serait un formidable événement. Ça serait évidemment un formidable une événement. Question, quand tu vas là-bas, tu ressors un vieux maillot. Jamais. 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 Incognito. C'est mes enfants qui portent le maillot. J'allais dire. Pas moi. Oui, ils ont je les ai portés déjà. D'ailleurs, j'ai vu que ton fils, il cartonnait bien, là. Oui, ça va. Ça va bien, là. Ça va. Oui, il était au tournoi français. 7 et ouais. Semaine, il ne porte pas les couleurs jaune et bleu, mais il est en train de faire parler de lui, là. J'en entends parler assez souvent. Tant mieux. C'est bien, c'est bien. Il a de Kitnia en même temps. Il a de Kitnia. Oui, mais c'est, pour avoir été fils d'eux, c'est toujours difficile d'être le fils d'eux. Hein. Deux fois plus compliqué. Voilà, compliqué. Et aujourd'hui, la rugby, ce n'est pas les mêmes qu'avant. Exactement. Exactement. Ouais. Il est dans une. Mais bon, en tout cas, il est bien parti. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut continuer. Un beau troisième ligne. Un bon troisième ligne. Un beau futur crémeur. Il sera avec toi, Adam. Il sera avec moi, normalement, oui. Parfait. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour l'Argentine, n'empêche. Et maintenant, on va aborder notre rubrique préférée, donc qui est anecdote de vestiaire. Ah, Martin. Le dimanche dernier, il y a eu la guerre, à un moment donné, il a fallu envoyer quelques chiffres. Ça fait partie du jeu, on se régale. Hein. 99, tout le monde. Est-ce que tu es prêt à nous livrer une anecdote croustillante? Il n'y a que moi qui parle en plus. Ah oui, c'est toi. Nous, on l'a faite déjà. Hein. Nous, on l'a déjà faite. Ouais. Je ne sais pas écouter. Et la mienne, c'était toi en plus. C'est pas moi? Oui, c'était toi, mon anecdote de vestiaire quand je suis venue. C'était quoi? Mais je la raconte encore. Mais c'est parce qu'un jour, tu sais, on était en train, on fait l'entraînement et puis on va aux touches. Tu nous dis, et moi j'avais mon survêtement. Touche ou douche? Touche, on allait faire les touches, et j'avais mon survêtement. Et du coup, interdiction de faire des touches, troisième ligne, étant sauteur, donc j'ai enlevé mon survêtement devant toi. Et donc du coup, tu m'as dit, non mais ça va pas Valérie, n'importe quoi, pas notre pas en culotte, non mais bon, voilà. Et donc depuis, je suis toujours... Qui passe chaud, froid, en short, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais que je n'ai jamais rentré au vestiaire des femmes, des filles, sans te taper. Ah, tout le temps, mais Fabrice aussi faisait toujours ça, il frappait toujours. À la fois, il vaut mieux. Même si. Mais non, parce qu'en fait, on a un côté plus du tout physique, en fait. Mais voilà, tu vois. Parce que c'est le coach, en fait, donc on n'a aucun problème avec ça. Nous, on ne voit pas. Tu ne les vois pas comme une femme, en fait. Mais par respect, je suis. Par respect, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que ça peut être ambigu, c'est sûr. Ah, mais c'est très ambigu, oui ou non, ça peut être très ambigu. Mais sachant que voilà, on n'est pas du tout. Mais ni de leur côté, ni de notre côté, ça gagne pas du temps, Martine, c'est à toi de parler. Ah, putain, mais tu m'as vu là. Anecdote, t'as dit tout à l'heure, Argentine, l'équipe argentine. Non, pas avec l'équipe argentine, oui. Tu sais, nous, on a un rituel, chaque joueur qui débute. En équipe argentine, on les rase, on les titille un petit peu. Et il y a une tournée en Italie, et il y en avait quatre. Quatre nouveaux. Les quatre, ils débutent au même match. Ah, pas bénard. Mon pauvre, ça fait plaisir, les vieux. Hein. On les a rappés, et je me rappelle, on était. L'hôtel. Pour y aller au stade, il a été à 45-50 minutes. On les a sortis des vestiaires, on les a rentrés tous dans le bus, mais dans les chiottes de bus. On a rentré les quatre dans le chiottes de bus, on les a enfermés. Ils n'étaient pas gaillards. Je peux t'assurer que... Et les mecs, ils sont passés 45 minutes dans les chiottes à quatre. Je peux t'assurer qu'ils ont été serrés dans le coin. Ils étaient solides. Ça, c'est une belle. Et donc toi, tu faisais partie des anciens à ce moment-là qui tombaient. À ce moment que je tombais. Moi, je m'occupais de contre les joueurs. Ouais. Sympa. Ça, c'est bien, c'est des bons souvenirs. C'est calme, oui, c'est souvenir. C'est calme. C'est calme. Les autres, je ne peux pas trop dire. Ouais. Mais tu sais ce qui se dit sur ce plateau, reste sur le plateau. Ouais, ça reste sur le plateau. Bon, merci en tout cas. Maintenant, on va parler un petit peu quand même de toi, parce que
et revenir sur ta carrière, ta grande carrière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait 4 Coupes du Monde déjà, donc tu en fais partie. Tu étais venu d'Argentine et tu as d'abord joué en Angleterre, il me semble, où là, ce qui t'a permis d'être champion d'Europe. Tout à fait, j'ai joué en Angleterre. T'as joué en Angleterre ? Northampton. Northampton. Voilà, on a l'affiche derrière nous. Northampton Saints, oui, donc comment déjà tu atterris en Angleterre à ce moment-là, en 2000, je crois, c'est ça ? 99. 99. Ouais, 99. Et je suis arrivé par l'intermédiaire de Federico Mendes, l'ancien talonneur de l'équipe argentine, qui jouait déjà, qui l'a joué à Brive, et après il est passé à Northampton. Et c'est lui qui m'a contacté pour y aller. Et tu arrives là-bas, tu es champion d'Angleterre et H-Cup. Ouais, non, champion de la Coupe d'Angleterre. Ouais, la Coupe d'Angleterre. On perd la. On est troisième du championnat et on est champion de H-Cup. Et c'est contre qui la finale de H-Cup ? Contre Mustard. Ah, ouais. Ah, oui. 6-3 ou 9-6 en tout cas. Un match à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne. Et tu as pu. Enquiller tout de suite titulaire en Angleterre ou il a fait... Non, c'était compliqué. Bon, et après, il y avait des grands joueurs. Hein. Il y avait Gary Peichel, qui venait d'être champion du monde avec l'Afrique du Sud en 1995. Il y avait Matt Dawson. Il y avait une grosse équipe. Il y avait une grosse équipe. Moi, j'étais les tout petits à cette époque-là. J'avais 300. Je sais pas trop. Après l'Angleterre, du coup ? Après l'Angleterre, je suis retourné en Argentine parce que j'ai eu un problème médical. Et en 2000, début 2001, et en mi-2001, je suis parti à Narbonne pendant 4 ans. Et en 2004, je suis signé à Clermont. Et donc, avec quelle génération de joueurs à peu près, Narbonne qui Narbonne. Il y avait Mario, il y avait Longo, on était une belle équipe argentine, parce qu'il y avait Longo, Ledesma, Corletto, très beau joueur, Corletto aussi, hein. Gonzalo Quesada et moi. Oui, donc, et après, il y avait Stoïka, italien, il y avait Marc Chiro, Marc Reynaud, oui. Ouais, qui a joué aussi. Qui c'est qu'il y avait en plus des connus ? Il y avait Jean-Baptiste Poux. Ah ouais. Oui. Il y avait. Olivon, qui l'a joué à Perpignan. Ouais. Le tournoi en finale en 2009, du coup. Exactement. il y avait Candelon, qui l'a joué en 7. Ouais, vous avez une belle équipe. Hein. Ah, on avait une bonne équipe. Ouais. Équipe. Qui c'est qu'il y avait en plus ? C'est les dernières grandes années de Narbonne, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais la première année que j'arrive, j'ai joué avec Merle. Ouais. Il y avait Merle aussi. C'était sa dernière année, c'était ma première année. C'est vrai, c'est vrai. Il poussait assez fort en mêlée, c'était bien. Ah bah, à droite, s'il jouait à droite, là, je ne sais pas s'il était derrière toi, il était derrière toi, Merlo, là. Ah oui. Il jouait 4 ou 5. Ah oui. Une poutre. L'axe droit, là, il devait pas mais je ne me suis jamais régalé comme avec lui. Ah, tu mettais les deux droits, mon pauvre, c'était tuerie. C'est ce que je disais en équipe de France de lui, hein. C'était une poutre, hein. C'était un traiteur. Qui c'est qu'il y avait en plus Donc c'est après Narbonne que tu atterris à l'ASM, avec d'ailleurs Mario. Avec Mario. Longo. Non, on arrive avec Longo, Longo les deux, et l'année d'après, ou 2 ans après, il y a Mario qui nous rejoint. Ah oui, seulement. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors là, tu découvres l'Auvergne. Comment l'Auvergne, oui. Comment tu as vécu ce transfert, là, justement ? Parce que là, tu... Très dur. Narbonne... Les premiers temps, c'était très, très dur. En plus, au bout des 2 mois, je me pète le genou. J'étais presque un an pour revenir. C'est ce qui a provoqué la venue de Dato, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a prévenu le... Oui, c'est ça. Et non seulement ça, après, à la fin de cette année, on a failli descendre. Ouais, Olivier Saïssé, que de garder, qu'il a duré, il a duré 6 matchs, et après il y a la venue de Saïssé, qui a fait du bien à l'équipe. Bah oui, vous sauvez sur la fin. Mais on se sauve sur la fin, ouais.
Et après, Il y a eu les belles années. Et après, il y a eu des belles années. Voilà, très belles années. Et la casquette du chef de gare en 2010. Très, très belles années. Ça aurait pu être une anecdote, ça aussi. Ça aussi. Et du coup, tu as fait partie de ceux qui ont enchaîné ces finales 2007, 2008, 2009. Et puis 2010. Ouais. Donc, avec enfin ce... C'était des belles années, mais avec des amertures au milieu, jusqu'à 2010. Après, y a un joueur de l'Argentine qui joue au basket qui dit... ils ont posé justement la question pourquoi... Pourquoi ils avaient perdu autant de finales. Le mec qui dit, écoutez, moi, je suis là. Combien de gens ils ont gagné plus que nous les finales et combien de gens ils sont arrivés autant que nous en finale. Ouais. C'est dur de la perdre, mais c'est aussi dur d'arriver. Tellement dur d'y aller, oui. Moi, j'étais dans cette optique-là. Certes, ça fait mal quand on perd en la finale, ça fait mal quand on passe toute une année... à galérer, parce que c'est pas simple non plus. Non, hein? C'est dur. C'est très dur. Et d'arriver et perdre la finale, c'est compliqué. Mais moi, et en perdre trois avant d'en gagner une, c'est très compliqué aussi. J'ai dit toujours que mon plaisir à moi, c'était de pouvoir jouer ces finales-là. Après, voilà. T'imagines, enfin bon, j'imagine, j'étais, parce que je commentais le match, mais quand t'as perdu trois finales et que tu gagnes la quatrième, t'imagines le plaisir comme il est décuplé, parce que tu sais les batailles que t'as dû mener pour revenir à chaque fois. Parce que c'était quand même un exploit à l'époque, hein, aller en finale. Parce que c'était des grosses désillusions de perdre une finale. Hein. J'en ai perdu en 94, ouais, on a joué la descente. Les poils. Eux, ils perdent la finale, ils reviennent et après en finale, ils perdent la finale, ils reviennent encore. Non, mais c'est vrai qu'à force, on l'oublie presque. C'est-à-dire que... cet enchaînement qu'on a de 2007 à 2010. Nous on oublie, parce que nous on est derrière nos pupitres, on est derrière nos télés, mais quand tu es sur le terrain, que tu sais ce que c'est que le travail, c'est dingue. C'est compliqué, tu n'oublies pas. Hein. Oui, mais tu l'oublies. Tu arrives à l'oublier, parce que sinon tu passes autre chose. Tu sais que moi, je n'ai jamais regardé les finales. Je n'ai pas regardé une seule finale, moi. Mais gagner, les perdus. Et j'ai eu la chance de jouer. On a joué en Angleterre, j'ai joué en Argentine, j'ai joué avec l'ASM. Pour ça, j'ai eu la chance, je dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir joué pas mal de finales. T'en as gagné. Moi, j'en ai joué. J'en ai joué trois, j'en ai perdu trois. Mais les savoir jouer, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et on ne peut pas revenir en arrière. Vivre ça. On ne peut pas revenir en arrière. Moi, je n'ai jamais vu, je t'ai dit, vu un match gagné ou perdu. Hein. De toute façon, il y a des grands joueurs de rugby de top 14 et d'avant qui ont même pas fait une finale, hein, ça c'est clair. Hein. Combien de joueurs, comme je dis toujours, combien de joueurs ils ont gagné un titre de France? Combien de joueurs ils ont été champions d'Europe? Combien de joueurs ils ont été champions de monde? C'est très limité. Tu as été champion d'Argentine? Ouais. Champion d'Argentine, Coupe d'Angleterre, champion d'Europe. Et champion de France. Coupe en Argentine. Et challenge européen avec l'ASM aussi. Challenge européen. Les deux challenges, la Coupe de France, d'Angleterre, la Coupe d'Argentine, en Argentine, en France. C'est un beau palmarès, hein, quand même. Oui, je ne le prends pas. Avoir joué quatre Coupes du Monde. 4 Coupes du Monde et combien de sélections avec les Pumas? Pas beaucoup, parce qu'à l'époque, on ne jouait pas beaucoup, nous. 57. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais 8. Combien de joueurs ont fait 4 Coupes du Monde? Le seul que je connaisse à Clermont, c'est lui et Jamie. Jamie Cunmore. Jamie, il fait 4 Coupes du Monde aussi. Ouais. C'est les, il y en a pas deux, beaucoup. Ouais. C'est les deux que je connais à Clermont. Il y en a un qui l'a fait 5. 5. Oui. Les Samoans, là. 5 Coupes du Monde. Oui, 5 Coupes du Monde. Et la première, il l'a fait à 18 ans. Mais. Mais le 3 carré, le 3ème ligne, celui qui joue 3 carré, le 3ème ligne. Et après, il y a eu. Il était capitaine des Samoans. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Ouais, et après, il y a eu. Il aurait pu la faire. Putain, c'est une Coupe du Monde. Non, mais il n'y a pas l'Italien aussi qui l'a fait. Parisé, il ne l'a pas fait parce qu'en 2011, les matchs qu'il allait jouer, il ne joue pas les premiers matchs. Les trois premiers matchs, il ne les joue pas parce qu'il était blessé. Et quand il devait les faire. Les matchs, il était annulé. Moi, je parlais des joueurs clermontois. Hein, parce qu'après, Clermontois, parce qu'après, t'as Fabien Galthié qui a fait 4 Coupes du Monde. Il a appelé 3 fois en cours de route. Oui, non, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'en fait 4. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Mais, c'est qu'il y en a deux, je crois, il y en a un italien, Bergamasco. Ah ouais, mais lequel? Un des deux, les Mirko.
Mirko. Mirko, je ne sais pas. La première que tu joues, t'as quel âge là d'ailleurs? 90. 23. 23 ans. C'est le bel âge, 23 ans, c'est bien, 23 ans. 18 ans, c'est très jeune, 18 ans, ouais. Coupe du Monde, 18 ans, c'est rare. 23 c'est rare, aussi, pour un pilier, c'était chouette. Ouais, c'est vrai que pilier droit, pilier, 23 ans, mais c'est un bel âge quand même. Et alors s'il faut... Mais t'es en apprentissage encore. S'il faut ressortir des souvenirs de ta carrière internationale, qu'est-ce qu'il y a? S'il y a un match que tu vas mettre au-dessus de tous les autres? Tous. Tous, dès que tu changes. Les 68, ils ont été... voilà. Après, comme on dit, hein, quand tu joues les premiers matchs titulaires Coupe du Monde, t'as une... l'émotion qui te sort de tout, mais quand tu représentes ton pays à chaque moment, c'est pas jouer que pour l'Argentine, c'est tu représentes ton pays. Oui. Tu dois te donner tout pour... on ne se rend pas compte, en fait, qu'est-ce qu'on provoque, pas pour, juste pour les supporters. Imagine-toi que pour un pays, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas que les supporters de rugby qui regardent la Coupe du Monde. Oui. Ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que tu mobilises la planète. Ta prestation, tu mobilises tout un pays. Ça, ouais. c'est très fort. Ça, c'est très fort. Et puis, on voit le public argentin s'est déplacé en masse pour la Coupe du Monde. Mmh. D'ailleurs, les tribunes sont remplies. Enfin, ils ont rivalisé tranquillement avec les Gallois, quand même. Hein. L'ambiance était folle. Et pour avoir joué en Argentine, à San Isidro, on avait joué, je peux te dire qu'il y a une sacrée ferveur. Hein. Parle des Français qui ont fait les matchs à Tucumán. Tucumán, c'est pas pareil. Les Argentins, il y a beaucoup de ferveur en Argentine, quand même. Combien d'équipes de France où ils se sont cassés les dents dans les tournées en Argentine Les France-Argentine, on s'en rappelle. Hein, ils étaient quand même casse-cans à jouer, il faut reconnaître. Tu parlais de Coupe du Monde, tu devais y être. Même en Coupe du Monde au Parc des Princes, moi j'ai vu les Argentins battre les Français. Pour la troisième place. Un match d'ouverture. Les deux. Match d'ouverture et la troisième place. Ouais, je me rappelle. Voilà, ils avaient quand même une grosse équipe aussi. Il y avait très grosse équipe là. T'es avec Mario. Là vraiment on aurait pu. Je dis pas être champion du monde parce que voilà quand tu arrives là, mais vous avez une très belle équipe. Je pense que la finale on l'a joué avant la finale. Ouais. Vraiment. Comme souvent malheureusement. Ouais. Mais comme moi je pense la France Afrique du Sud. Ouais. Hein. C'était la finale avant la finale. Génération Rodrigo Roncero, les deux à toi. Non seulement, c'est comme tu disais, là, on arrivait à la maturité, tous. Ouais. La plupart, on avait. C'était la 65% de l'équipe, il y avait joué trois Coupes du Monde. Ouais, ensemble, ça faisait 8 ans ou 10 ans qu'on jouait ensemble. C'est expérience. Devant, derrière, il y avait que des joueurs confirmés. Ouais, du coup, beaucoup d'expérience. Partout. Ça compte énormément. Enfin, forcément, ça compte, c'est obligé. Sur ces matchs-là, c'est des matchs quand même, c'est des matchs capitaux, là, une importance capitale. Enfin, il faut avoir les idées en place, il faut avoir de l'expérience, la maturité, le pragmatisme. Et puis, après, le lien fraternel. Ouais. Après, comme on dit, on perd. Parce que c'est logique qu'on perd aussi, c'était meilleur que nous, mais on prend 3 CC casquettes. Ouais, on prend 3 CC des 80 mètres. Hein. Mm. Bah, 2 des 80 mètres, il y en a des 70 mètres ou 60 mètres. Ça te plombe. Ça te plombe. Alors après, donc, tu n'as pas terminé à Clermont, tu as fini ta carrière à Agen, en fait, de joueur. Ouais. Bon, et puis surtout, après, tu as eu la chance d'entraîner quand même Valérie Bourré à la SM Romagna. À Romagna, à l'époque. À Lorca. Bon, c'était pas encore la SM Romagna à l'époque. Ouais, j'étais en train de lui dire, je me rappelais pas que tu avais fait une pige à Jean, il me dit moi non plus. Mais je savais même pas. Je suis passé vite, hein, j'ai senti que c'était pas le meilleur souvenir de Martin. C'était la peur qu'on ait pire qu'on ait. Non, c'est pas ça, c'est que voilà, il aurait fallu que je. C'était plus une prise de tête avec quelqu'un d'autre que la prise des responsabilités, on va dire. D'accord. C'était une fuite plus qu'autre chose. Non, c'est pas une fuite, Bon, mais de toute façon, tu as gardé les meilleurs souvenirs de Romagna, par exemple. Ah, tout à fait. C'était beaucoup mieux. Combien de saisons t'as entraîné à Romagna? Trois saisons. Ouais, une finale. En fait, j'ai fait une année, j'ai arrêté une année et j'ai fait deux de suite après. Ouais. Et j'étais là. Tu continues, je suppose, du coup, de garder un œil sur l'évolution de l'ASM Romagna maintenant. Mais tout.
Après, malheureusement, je n'ai pas le temps d'y aller voir même les matchs de top 14 par rapport à mon boulot, mais on regarde toujours avec un œil. Tu arrives à regarder le fiston quand même un peu à la télé, hein, en replay? Non plus. Non plus. Quand je peux, oui. Tu montes, hein? Tu montes quelques fois à Paris, non? Tu n'as pas le temps de... Quand je peux, oui, mais ça, il faut que ça coordine avec mon boulot, en fait. Le gaucho. Les premiers matchs de mon fils, j'étais allé voir. En plus, il a joué contre Toulouse. C'était pas... Mais bon, vous débriefez un peu, j'imagine, quand même. Beaucoup. Voilà, oui, c'est important. Moi, pour mon papa joueur, je me rappelle, c'est important quand même. Beaucoup. Ça, c'est bien. C'est chouette. Il était toujours là en plus. Hein. C'est chouette, pardon. Ouais, il était tout le temps. Ça, ouais, et de temps en temps, il s'entraînait avec nous en plus. Ça lui arrivait quand il était tout petit. Mais oui, on débrief. Il a 100% confiance en moi. Alors, bien sûr, c'est important ça. Hein. Il m'envoie les vidéos de son match et alors c'est bien. Alors papa, que ton père. C'est ça. C'est chouette ça. Ça rappelle des bons moments ça. C'est beau, beau palmarès, hein, belle carrière, bravo Martine. Hein. Et oui, parce qu'on pourrait encore en parler un moment, c'est sûr. Mais en tout cas, oui, on se rend compte que ta vie de joueur a été bien remplie. Oui, tout à fait. Et ta vie maintenant d'entrepreneur aussi, du coup, parce que la suite pour Martin Scalzo, c'est le gaucho quand même. Oui, tout à fait. Le restaurant. Le restaurant, l'événementiel un peu. Tout à fait. Que ça prend pas mal de monde. Des entreprises à droite, à gauche. À droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Tu as été un peu le précurseur sur les bras zéro et les, les barbecues. Je ne pense pas, mais... Les riz de veau à la chaîne Scalzo, c'est pas mal hein, pour y avoir goûté. C'est clair, je pense qu'il va falloir... Ah Jean-Luc, si ils aiment bien les riz de veau à Martin. On en parlait en haut. Il faut qu'on y aille. C'est vrai que les bouts de viande dépassent souvent de l'assiette aussi, là-bas, c'est bien pour ça. C'est à l'image du bonhomme. Voilà. Il est généreux, le gars. Bon, mais merci en tout cas pour ce retour sur la carrière. On va balayer rapidement les résultats de Pro D2 avec Jean-Luc. En Pro D2, j'avais écrit l'automne sera-t-il breton ? Parce que c'est vrai que Vannes affiche 6 victoires à nul sur les 7 derniers matchs. Donc, ils prennent un peu d'avance pour être dans les 6, puisqu'on sait que maintenant, le premier ne monte pas automatiquement et qu'il est obligé de faire des phases finales. J'ai regardé un match qui m'a beaucoup plu, c'est Aurillac face à Agen. Aurillac a fait une très belle prestation, donc j'ai assez apprécié. Avec un super arbitre. Avec un arbitre qui s'appelle Benjamin Buriot et qui en fait le petit-fils, qui est le fils de Bourdillon. Et surtout le petit-fils de Ritu Bourdillon. Petit-fils de Ritu Bourdillon. À Vichy, il y a aussi Aurillac, il y a aussi un natif de Vichy qui s'appelle Antoine Ocagne. Qui joue ouvreur d'ailleurs. C'est le fils à Coco ? Ouais. Non, à Bertrand. À Bertrand, d'accord. C'est le fils de Bertrand. Okay, okay. Et c'est pas la première fois, mais il m'a fait une très très belle, très très belle impression. J'ai vu les images. Ouais. Bon, je parle quand même de Valence Roman qui fait un très beau début de saison, ton cœur est plutôt romanais. Valence Roman, ça me révolte, mais bon après. Mais bon, maintenant c'est comme ça, c'est nouveau système. Digéré maintenant. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est promu et ils mettent des branlées à tout le monde. Hein, Non, j'ai regardé Brive Grenoble, moi, Pro D2. Ouais. Brive s'est réveillé, c'était Ouais, mais bon, c'est chaud quand même, c'est dur. Hein. C'est une bataille, hein. Mais bon, ils ont gagné. Et j'aime bien le parcours de Nevers. Je suis Nevers un peu, je trouve que c'est bien. Cette équipe, elle fait plaisir à voir jouer. Et puis il reste sur le haut de... Et donc, tu pourras voir, si tu suis Nevers, tu pourras voir jouer Bertrand Ocagne s'il est sur la feuille, puisqu'il reçoit... Il se déplace, Aurillac se déplace à Nevers. Ok. Je suis Nevers parce que j'aime bien le capitaine de Nevers, qui est un ancien Clermontois, qui s'appelle Hugues Baptiste. Je ne sais pas si vous vous rappelez du petit Baptiste, qui jouait 3e mine à l'ASM. Enfin, qui n'a jamais joué en première SM, mais qui a joué à l'ASM, qui a été champion de France Espoir. Et c'est un 3e mine redoutable. J'aime beaucoup ce garçon. Et j'ai regardé aussi donc Béziers, alors je ne sais plus contre qui c'était. Colomiers. Béziers-Colomiers, donc déjà en 9. Samuel Marquez était déjà aux manettes
Et Andy qui a fait un match, puisqu'il est classé qui, par Middle. Marc Nessé, je crois. C'est Nana Williams qui a fait sa première, l'une de ses premières prestations à Béziers, puisqu'il il a muté à Béziers. Nana Williams et Marquez, en charnière, c'est pas mal quand même. Ça va, oui. C'est quand même pas mal. Hein. Parce que Marquez, il fait une belle Coupe du Monde. Hein. Ouais. C'est clair. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors en classement, bon, Van Montauban qui se bat, ils ont fait pas Montauban. Montauban est 2, Provence est 3, Valence Roman est 4, Mont-de-Marsan est 5 et Brive est 6. Ouais. Et juste derrière Biarritz. Mais c'est... Brive, ils ont mis la marche avant maintenant quand même. Parce qu'ils avaient Ils avaient intérêt quand même. Hein. Ils avaient intérêt là. Ils ont fait un début de saison catastrophique. Et puis, alors en 15, il y a Soyot. Et Soyot est entraîné par l'ancien arbitre. Qui vient de Montpellier. Ruiz. Ouais. Ils n'ont pas gagné un match, je crois. Hein, Soyot, c'est ça. Soyot, ils ont. Ils ont perdu les cinq derniers matchs. Ils ont gagné un match et ils en ont perdu 5. C'est ça. L'apprentissage du fauteuil d'arbitre au fauteuil de coach est compliqué. Ils viennent de perdre en plus leur capitaine. Là. J'ai vu que Gauthier Gibouin là, qui est blessé gravement. Là. Ah ouais. Ouais. Bon, côté régional, Jean-Luc. Côté régional, ben, quatrième victoire pour Issoire, hein, qui est donc second de la bien, poule. Content, Arnaud, là. Après une bonne fessée à de la poule 2. À Gruissant, ils ont bien réagi depuis et ils ont enchaîné les victoires. J'étais à le COP a enregistré sa deuxième victoire d'affilée, donc deux défaites, deux victoires pour le COP. Oh non. Il se déplace à Mézieux. Et ça serait bien qu'il batte Mézieux ce week-end, puisque le Puy est 8e à 11 points et Mézieux 11e avec 7 points. T'as qu'à les fermer. T'as qu'à les fermer les yeux, comme ça, il bat. En poule 4, c'est la première victoire de Rion qui est classée 11e. Devant Clermont-Cournon qui ramène un bonus défensif. Ils perdent à la dernière minute, paraît-il. J'ai vu ça. Ouais, mais là, c'est un résultat positif. Hein, parce que Malmort. Bon, c'est bien, les équipes régionales sont plutôt au rendez-vous, c'est pas mal. Bon. Match nul pour le CUC en bout de 5. Et en fait, je dirais que la relégation des Thermaux en fédéral 3 est plutôt bonne, puisque pour l'instant, 5, le RC Vichy fait 4 sur 4. Ouais. Parfait. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à partager les résultats aussi pour tout ce qui est régional, honneur. Faites connaître les résultats sur la page aussi, Recar Verne. On saura faire remonter les informations. Prends les tickets resto. On va. Oui, on demande s'ils prennent les. Il n'y a pas de raison qu'ils ne les prennent pas, je sais pas. Il a raison. Il ne prend que l'argent liquide. Il ne marche plus Il disait Christ, le Canadien, l'ancien ouvreur canadien, il a fait 5 Coupes du Monde. Ouais. Voilà. 5 Coupes du Monde, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Garatrice, je me rappelle. Il a joué avec le bûcheron canadien aussi. Oui. Là, on va terminer l'émission sur une dernière rubrique, une petite surprise pour Martine, justement. Et c'est une photo des souvenirs. Ah, alors qu'est-ce qu'on a comme... C'est vrai, ah oui, mais ça t'a marqué, regarde le dos. Elle est derrière. Elle est bleue. Elle est bleue. Ah là, regarde, t'es là. Ah merde. Magnifique. Donc, ça blanchit. Voilà. Ah ben, j'ai vieilli, j'ai grossi, j'ai blanchi. Au sommet de son art. C'est 2010, c'est 2010. Ça 2010. Il y a quand même 13 ans qui sont passés. Hein. Et Ghislaine, méfie-toi, il risque de venir à la caméra, Martine. Elle est belle, cette photo. Grand, Donc je te laisse commenter la photo, par vas-y, contre, parce que là, je pense que c'est une autre retour, anecdote. Ce retour des Stades de France, ouais. On avait passé une soirée bien arrosée. Ah bon, champion de titre. On n'a pas dormi. Et pendant l'ASM, il a fêté des TGV ou des trains. Mais pas TGV. Pour ça. Et il y avait... France 3, et on a tout pris. C'est le même jour où vous avez fini sur le plateau au Roussy, là, ou c'est là non, c'est la veille. Jean-Luc. Voilà. Le pauvre Jean-Luc. Là, il y a des anecdotes. Alors, justement, parce que là, tu avais commencé par prendre la caméra de France 3, mais il y a des gens sur ce plateau qui ont raconté d'autres anecdotes.
où justement tu voulais après conduire les bus de la T2C de Clermont-Ferrand. Non, pas les bus. Ah non, le tramway. Les trams. Voilà. C'est vrai, c'est mieux. Qui se dit ça parce qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent ça. Hein. Oui, c'est vrai. Et les chauffeurs de tram, ils étaient. Terrorisés. Mais terrorisés. Ils se sont enfermés. Non, s'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi conduire ça. Ah ouais, c'est vrai. Mais dans l'anecdote, vous êtes pas monté à Chamalières, à France 3, dans un panier à salade. Avec les... Ah non, non, on a monté à... Ils nous sont montés en patrouille. Oui, c'est ça. Avec la voiture de police. Mais on a... Moi, j'étais debout sur le... sur le toit. Ah, ça devait être quelque chose. C'était épique. Ouais, hein. Ouais. Mais bon, ouais. À la fois... Si c'était... On dit ça, c'était des folies, mais c'était des jolies oui, c'est une jolie folies. Folie. Enfin, c'était pas des folies des méchantes. Bien sûr, bah, bien sûr. Enfin, c'est jamais dans folie le. Folie conviviale, dans le bon voilà, esprit. Voilà. Bah, de toute façon, si vous n'aviez pas fêté ce titre, vous n'auriez jamais rien fêté, c'est pas possible. Ouais, voilà. On l'attendait tellement. Mais c'était des bons moments. C'était bons moments. Il était beau ce titre. Même au micro, il était beau. Il était beau ce titre. Là. Bah là, oui, toi ayant vécu jusqu'à la fin, en fait, j'ai vécu jusqu'à la fin, on a le doute, en fait. J'ai commenté les matchs pendant moi, les 15 années là. Enfin, j'ai commenté 16 finales, donc toutes ces finales, je les ai commandées. Donc, t'es content aussi quand t'es passionné et que t'aimes ton club et que ton sport. Quand ils ont, jusqu'au quand bout, ils on a le doute, hein. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Oh, 2010, quand même, on a vite compris qu'il ne perdrait pas. Hein. Voilà. Mais non, moi où j'avais les boules, le plus c'est 2007. 2007, enfin, je pense comme eux, puisque. Mais 2007, tu perds, tu ne dois jamais la perdre, cette finale 2007. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. On va pas refaire l'histoire. Mais 2010, elle fait plaisir quand même. Putain, elle était belle. Elle était belle quand même. 2009, non. Et puis 2017, elle était sympa aussi. 2009, tu ne dois pas perdre non plus. Enfin, 2009, tu prends 30 points, tu peux plus rien dire, tu vois ce que je veux dire. Tu peux plus rien dire. Ah, ça bascule sur pas Non, ça bascule, mais ça bascule devant, d'ailleurs. Hein. C'est surtout que ça peut faire partie des regrets. Elle fait mal. Aussi, oui, mais c'est de pas battre ses c'est peut-être Toulousains que ça permis de leur mettre une branlée l'année d'après aussi, tu comprends. T'avais les boules de 2009 et... 2009, c'était Perpignan, oui. Ouais, mais 2010, c'est qui c'était deux fois. C'était qui, 2010? Les deux Perpignan, de suite. Non, 2007, jusqu'à 2 minutes de la fin, t'es champion, quoi. C'est cette fameuse touche, là, et ce Australien à la con, là, qui nous fait chier. Et 2009, je parle mal, justement, je me Martin, porter. Sur ce... Qui ont disparu d'un coup, là, que tu prends de balade en mêlée, là. C'est quoi? C'est sciemment une rentrée anticipée où tu te fais un peu... Je n'avais pas de dire oui. Bien sûr. Et un Gérard, c'est ça. Yves Siri. Gérard qui nous écrit. C'est des actions qui passent dans un match, voilà. Ouais. On va pas s'acharner sur ça. L'année d'après, ça s'est pas passé comme ça, en tout cas. Pour en avoir eu parlé avec, je sais plus qui était sur le plateau pour l'ASM, mais on avait Bernard Gouta, et on parlait de 2009, donc... Et je dis à Bernard, quand même, ça a été un peu violent. Est-ce que c'était prévu dans les, est-ce que c'était prévu? Il devait y avoir Alex Audebert, je ne me souviens plus. Oui, certainement. Ouais. Si, Elvis. Et il y avait Elvis et Alex. Et Bernard dit non, c'est le jeu, etc. Et derrière, on a donc Alex et surtout Elvis qui fait... Je pense que c'est surtout Elvis, ça ressemble beaucoup à Elvis. Et Bernard a tout de suite un peu coupé parce que oui, bon, c'était... En tout cas, on va retenir 2010. Vous aviez été agressé quand même, Martin, en 2009, mais vous leur avez rendu la monnaie de la pièce. On était agressé. Non. Pas plus que ça. Non. Mais... Est-ce qu'on était agressé ou est-ce que nous, on n'était pas assez rapide? Ouais, voilà. Je pense plutôt ça. Voilà. Parce que qui ont frappé ça passe, oui, c'est, oui, ils ont été plus certainement. Plus certainement, ils sauraient dire on va attaquer la mêlée là-dedans, mais à faire mal pour faire sortir un joueur, je pense pas être. Ouais. On est peut-être nous. Après, il y a eu la. Ils s'avancent l'entrée, ça oui. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont te blesser ou quoi que ce soit. Après, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu. Voilà, c'est comme j'ai dit, moi. Mais c'est un fait de jeu important, quand même. Ça a changé, quand même. Tu penses ? Bah oui, ça a changé la physionomie, quand même. C'est clair. Et ça fait 5 minutes, hein. Mais bon, Martine, on va retenir 2010, c'est quand même ce qui est. Oui. Ce qui est, c'est beaucoup mieux. Bien sûr. Et la casquette.
Et la casquette. Non, c'est beaucoup mieux pour nous parce qu'on a gagné, comme je disais tout à l'heure. Mais moi, avoir joué 4 finales, c'est pas anodin. Ah bah oui, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Ben non. Et quand tu mobilises, non, quand tu arrives à mobiliser. C'est-à-dire qu'on a à dire tourner, tu vois. Mais non, ça, oui, on s'impatiente un peu. Quand c'est dit, ça, on s'impatiente. Quand je dis que nous, on est passionnés de ça et on fait ça pour nous, mais pour le club aussi. T'imagines, nous, on est arrivé 4 fois, mais on a mobilisé un monde pas possible à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire que même si nous, on croyait, les gens, ils croyaient avec nous. Parce qu'à un moment donné, comme tu disais, tu arrives à la deuxième et tu perds, à la troisième et tu dis, on arrête. Mais non, même, nous, on a cru jusqu'au bout, mais les publics... Bah ici, il y a une ferveur. Les gens, ils attendent que ça, hein, que ça redémarre. Hein. Oui, le problème, si tu veux, c'est qu'on a mangé le foie gras pendant 15 ans. Quoi. Pendant 15 ans, on a eu une dégénération fabuleuse. C'est vrai que maintenant, il faudra être patient pour revenir à ce, ah, à ce ben, niveau-là. Il faut leur laisser le temps. Là. Le problème, c'est que maintenant, quand tu descends pour remonter, c'est compliqué. Donc, on voit bien, hein, là, il faudra attendre 2-3 ans, à mon avis, avant qu'on retrouve un club. Le président, il a tiens, on parle de ça. On va, tu vois, je disais l'autre jour, on discutait. Et on parlait des SM parce que bien sûr on est là et c'est notre club de cœur. Mais moi je crois aujourd'hui qu'il n'y a pas que la SM qui l'a régressé, on va dire, parce que tout le monde nous dit qu'on régresse. C'est tout le rugby français. Regarde-toi, je me rappelle en 2008. En 2008, je me blesse contre Montpellier pour Pâques. D'accord ? Tac. On était à 3 points, ouais. C'est pas 3 matchs, à 3 points de se qualifier pour les phases finales, à Pâques. Aujourd'hui, tu arrives à la dernière journée et tu sais pas qui c'est qui est qualifié. C'est-à-dire qu'il y a tellement 10 ou 12 équipes à pouvoir se qualifier. Tu veux dire que la lutte s'est resserrée ? En fait, pour moi, tous les championnats, ils s'est resserré dans les mauvais sens. Ouais. Ah oui, malheureusement. Plutôt dans le mauvais sens que dans le bon. Oui, mais on peut voir les choses. C'est intéressant. Effectivement. Moi, je les vois comme ça. Après, je ne dis pas que. C'est un point de vue intéressant. Mais voilà. Alors, quand tu vois que l'année dernière, Stade Français, il s'était premier pendant presque toute l'année premier, ouais. Ils ont fini quatrième. Qu'ils ont fini quatrième, ils ont pu finir à même sixième. Ils auraient pu finir sixième. Tu vois, avant, tu savais qu'il y avait deux équipes qui arrivaient en finale, en demi-finale à tout prix. Il y avait quatre équipes qui avaient en cinquième que tu ne savais pas comment t'arriver. Aujourd'hui, tu as quand même Toulouse qui est moins d'équipes d'équipe dominantes. Et La Rochelle. La Rochelle. Il y a encore. Oui, il y a encore, c'est vrai. Mais c'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. À méditer. Ouais, à méditer. Bon, merci. Après, tu as toujours les deux ou trois dernières. Ah, ben oui, il y a toujours un fossé avec le relégable et l'avant-dernier. Barragiste. Merci, Martine, en tout cas, de ce retour encore sur. Sur cette belle épopée de 2010. Ah ben des plateaux avec des carrières comme ça, c'est quand même pas toutes les semaines. C'est un beau cadeau que tu nous as fait. Et donc je tiens à te remercier déjà au nom de toute l'équipe. Et puis on va saluer tous ceux qui nous ont suivis ce soir, qui ont essayé de dialoguer un peu avec nous aussi. Désolé si on ne fait pas remonter toutes les questions. Désolé si on n'a pas trop parlé de l'ASM. Effectivement, mais l'actualité tout de suite, c'est plutôt la Coupe du Monde. Géraud, je t'invite à aller manger quand même les. Voilà, donc Géraud va venir goûter les. Sans ticket resto, hein, t'as bien noté quand même. Non, mais il a dit là. Ah merde, j'ai vu quand même. On fait un coucou à Bruno, à Christian, voilà, et on vous dit dans 15 jours. Et là, on parlera du jaune et bleu. Et d'une finale de Coupe du Monde quand même, en espérant y voir un peu. Le jaune et bleu, ils ont bien un match amical avant le Loup, là. Contre le Loup d'ailleurs, je crois. Contre le Loup. Ils jouent contre le Loup avant d'aller au Loup. Ça leur a pas réussi la dernière fois contre Yonac. Effectivement. Donc là, on pourra débriefer le match au Loup en espérant débriefer une première victoire pour créer une dynamique dans cette deuxième phase de championnat après une grosse prépa. On enquille les matchs après. Hein. Après, il y en a 18. Et des gros. 18 d'affilée, je crois, c'est ça. 18 d'affilée ? Ouais. avec le challenge européen dedans, quand même. Mais avec une poule dont on a parlé l'autre fois, qui est assez costaud pour un challenge européen, malheureusement. À part
sans manquer de respect à notre ami Dato, il y a un club géorgien, mais les autres, c'est solide. Je tairai les noms parce que je ne les sais plus. C'est passé. On vous dit rapidement, une satisfaction, c'est que Sébastien, il y a quelques signatures. Oui, des renouvellements de contrats. Qui viennent de se faire. Ouais. Lucas Dessaigne, Seb Bézi, et on annonce aussi Rabat, je crois, qui a re-signé. Oui, Sibal qui va refaire. Donc, et puis voilà, ça. Malheureusement, qui s'est blessé aussi, par contre. J'ai vite, je viens. Voilà. On vous dit dans 15 jours. Ciao à toutes et à tous. N'hésitez pas à faire tourner la page YouTube et à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Faites-nous connaître, on compte sur vous et on vous dit à dans 15 jours. Ciao, ciao. À dans 15 jours. Géraud, c'est à toi de m'inviter, c'est moi qui t'ai donné le conseil et le filon. Bonsoir, ciao. Ciao, ciao.